vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Ah là là, des dialogues à la fois marrants et honteux, c'est une des réputations que s'est faite, bon gré malgré elle, la version française de la série animée Okuto no Ken, alias Ken le survivant. Et moi, en tant que grand fan de cette série animée, franchement, je trouve ça complètement honteux, désolant, d'écouter cette VF tout simplement horrible. Franchement, à l'époque, quand je la regardais au Club Dorothée... Bon, j'y prêtais pas attention parce que bon, voilà quoi. Okuto no Ken, c'est une série qui est réputée très violente avec beaucoup de sang. Quoique dans la version française, il y a eu beaucoup de censure. Hein. En général, on perd au moins 5 à 10 minutes de vidéo à chaque épisode. Et donc voilà, j'avais pas remarqué ces dialogues qui voulaient rien dire, qui étaient complètement nanardesques quoi. Et puis après quand je l'ai revu un peu plus tard en version Jap, là j'ai compris toute la différence. C'est clair que la version originale, mais elle écrase complètement la version française, ce qui est normal dans la majorité des cas. Mais dans ce dessin animé, franchement. C'est un des seuls mangas, enfin adaptés en animé, pour lequel la traduction française a été autant bâclée, autant démontée, voilà quoi. Et avec la censure en plus, ça faisait un épisode qui ne voulait plus rien dire quoi. Vous voyez des méchants qui parlent avec une voix de fille ou une voix complètement débile, avec des, voilà quoi. C'est même pas crédible. Dans un sens, ça me fait marrer, quoi. J'aime bien les regarder de temps en temps, cette version française, parce que c'est quand même marrant. C'est pour ça que je vous ai mis une de ces séquences en introduction, parce que franchement, c'est lol, quoi. Mais franchement, si vous voulez vraiment vous plonger dans l'ambiance, l'atmosphère de ce dessin animé, alors foncez direct vers la version Jap, hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. Et donc, c'est sur cette petite intro marrante et déprimante à la fois qu'on se retrouve pour le direct live de Feast of the North Star, Ken's Rage. Yo tout le monde, c'est Squad 982. Et donc, on est là pour... enfin, je suis là plutôt pour vous faire un direct live sur ce jeu. Voilà, vous voyez là, c'est la version démo de ce Feast of the North Star, Ken's Rage. Hein, donc, un long à rallonge. Hein, pour le prononcer en entier, faut s'accrocher. Et donc c'est la démo du jeu quoi que j'ai téléchargé sur le Xbox Live, sachant que le jeu est également disponible sur la PlayStation 3. Le jeu est sorti fin de l'année 2010, donc je ne l'ai pas encore acheté. Donc je voulais le tester d'abord dans cette version démo, avant de me décider à l'acheter. En tant que grand fan de Ken le Survivant, je vais forcément l'acheter, hein, ça c'est clair. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de jeux Ken le Survivant qui soient sortis, donc enfin moi j'en connais pas des masses. Hein. Le dernier dont je me souviens, c'était un jeu de combat sur PlayStation 2, un jeu de combat en 2D, franchement très très bien réalisé, très nerveux, j'avais bien aimé. Je vous en ferai d'ailleurs un test un jour, hein. Enfin je l'espère. Mais bon, depuis il n'y a plus de jeux avec la licence Ken le Survivant, et donc ça fait plaisir que, et bien que Koei, d'ailleurs je crois que c'est Koei Tecmo, hein, ils ont fusionné, qui ont été à la charge d'adapter la licence Okuto no Ken en jeu vidéo sur console next gen. Et donc on va voir dans cette démo si c'est à la hauteur de son espérance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mode légende, option. On a un mode fiction aussi, ouais. Bon, je sais pas ce qu'on peut faire. Un didacticiel, galerie, ouais, c'est peut-être pour débloquer des images. On va voir les options, ce qu'il y a. Paramètres de jeu, normal, difficile. Ouais, je vais le mettre en normal, hein. Sous-titre, oui. Niveau de violence. Jauge de vie, oui. Voix en anglais. Ah non, voix en japonais, oh. En anglais, et puis quoi encore? Ils auraient dû mettre les voix en française, comme ça on se serait bien marré, mais non. Bon, paramètres sonores, on s'en fout. Allez, hop, on sort de là.
Donc on commence tout de suite le mode légende. C'est parti. Ah, donc on peut choisir son personnage. Donc ce que j'ai lu sur internet, c'est un jeu à la manière d'un Dynasty Warriors, hein. Forcément c'est Koei qui est derrière, donc on s'attendait un petit peu à ce genre de jeu. Donc il n'a pas eu très bonne réputation de ce que j'ai entendu dans les critiques. Donc je vais voir, je vais me faire mon propre opinion sur ce jeu, hein. Alors, on a le choix entre Kenshiro ou Rei. Donc Rei de l'école du Nanto et Kenshiro, le héros de l'anime, qui est l'héritier du Hokuto. Donc c'est un art millénaire qui se résume à... le personnage donne un coup et puis quelques secondes après, l'ennemi qui s'est fait toucher, il explose. Hein. C'est super bourrin. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la série animée s'est beaucoup fait censurer en France, parce que il y avait des scènes tout simplement violentes. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir quoi. Lorsqu'ils sont blessés, les ennemis puissants voient leur jauge de vie se recharger petit à petit. Ouais, bon, j'ai même pas eu le temps de lire, bravo. Choisis un endroit, je m'assurerai. Ah, Jagi. Ah, direct, je me bats contre lui. Décidément, j'ai pas de chance, moi, avec les démos. Oula, je peux même pas bouger. Dès que je prends la main avec le personnage, j'affronte un boss, quoi. C'est excellent. Je suis en train de me faire massacrer. Attaque des points vitaux des ennemis. Quand vous subissez des dégâts infligés par un ennemi puissant, vous entrez parfois en état de choc méridien. Pendant un court instant, les dégâts infligés par vos ennemis... Ouais, bon, bref. Bon, je sais pas comment on joue là par contre, hein. C'est la première fois, hein, d'où le principe du direct live, hein. C'est la première fois que je m'essaye à ce jeu. Donc désolé si ma prestation est plutôt médiocre, hein. Je fais un peu n'importe quoi. C'est un peu lent là quand même. Pas mal ce coup. Peut-être qu'il faut faire... Ah, je peux le choper, bien, je sais pas comment j'ai fait. Donc Jagi, en fait, c'est un des frères d'armes de Kenshiro. Mais enfin, il a appris l'art du Hokuto dans la même école que Kenshiro, avec Rao et Toki. Et en fait, depuis son enfance, il voue une haine absolue à Kenshiro. Enfin, il est jaloux maladivement de lui. Donc on va dire c'est le... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Utilise ta tête. Voilà, bon. Non, j'utilise plutôt mes pieds et mes poings. Oula, punaise! Heureusement que ma barre de vie est importante quand même. Par contre, je sais pas où il faut aller. Alors je crois qu'il a mis du... Il a mis du... De l'essence par terre. C'est une des séquences du dessin animé, hein. Mais je pensais pas que dans la démo, il nous mettrait directement cette phase de jeu, quoi. Enfin, cette séquence de l'histoire. Oh, punaise, mais comment on évite ça? Je peux pas la défoncer, la porte? Non, je peux pas. Bon, comment je fais, là? Bon, viens là. Punaise! Allez, prends des coups. Tiens, prends ça! Allez! Oh, ça c'est stylé ça! Point des 100 déchirures du Hokuto! C'est ça que j'aime bien dans Hokuto no Ken, c'est les attaques, les de Ken, franchement, c'est. Ça a trop de la pêche. On va essayer d'éviter ces flammes quand même. Ah, oh, punaise. Ah, oh, là, j'ai pas pu l'éviter, là. À quoi ils servent, les gâchettes? Ah, là, je suis entré en mode furie, apparemment, en appuyant sur la gâchette. Bon, il est où? Il est là. Ah, oh, il a ses vêtements qui se déchirent aussi, trop bien. Putain, mais par contre, je me fais enchaîner.
Il a une barre de vie de malade. Esprit max. Bon, oh là là, il est chiant à m'emprisonner dans sa barrière là. Et bien sûr, je me fais toucher après. Bon, ça commence à me saouler là. Allez, viens là. C'est pas possible. Il est où? Oh, il y a un petit problème de caméra. Allez, prends ça. Tiens, allez, bouffe-toi ça. Bon, pour l'instant, je sais faire que cette attaque. Je pense qu'il y en a d'autres. J'imagine. Mais vu qu'on est dans une démo, ça m'étonnerait que je les possède toutes, ces techniques. Va falloir les débloquer au fur et à mesure, je pense. Ah, lui aussi, il est entré en mode furie. Oh putain, il fait mal. Ah, en plus, il utilise un bazooka, un fusil à pompe. Ah, parce que lui, il maîtrise pas la technique du haut couteau. Enfin, pas autant bien, autant que Ken, quoi. Ken, c'est l'héritier de la grande ours, quoi. Oh là là, je me fais enchaîner. Comment on se défend? Je suppose qu'on peut se défendre, mais alors j'ai pas encore trouvé le bouton. Peut-être celui-là. Non, ça... Ah si, c'est ça. C'est le bouton LB. Où est-ce que tu vas? Ah, mais je peux pas l'esquiver, cette attaque de bazooka là. Bon, graphiquement c'est correct, hein. Les musiques sont assez nerveuses, c'est bien. Mais moi j'aurais pensé que j'aurais une phase de jeu où j'affronte plein d'ennemis à la fois, quoi. Comme dans un vrai Dynasty Warriors. Je pensais pas que j'allais me taper un boss direct, quoi. Bon. Voilà. Allez, il est bientôt mort, courage. Ah, c'est chiant la caméra pour ajuster les attaques. Allez, il est bientôt mort. Allez. Il est où? Mais arrête de reculer. Ah, c'est pas possible ce Jaggi là. Il m'énerve ce perso. Déjà dans le dessin animé, je l'aimais pas du tout. C'est le méchant par excellence, quoi, lui. Hein. Franchement, plus méchant, tu meurs, quoi. Oh, punaise, je me fais enchaîner, là. Oula! Au secours! Bon, comment on fait pour arracher les vêtements, là, comme dans le dessin animé, et que Ken commence à se vénère, quoi? Non, mais j'arrive même pas à le toucher. Ah, ça y est. Il va crever, là. Allez, prends ça. Ah, ça y est. Ouais, un petit QTE là. Merde. Oh là là, j'ai raté le QTE. Putain, je pensais pas qu'il y aurait un QTE. Putain, je vais me faire tuer là, c'est pas possible. Oh, il s'est repris de la vie en plus, l'enfoiré. Et je vais crever là, je vais finir par crever. Bon bah, je vais crever, hein. Putain, c'est pas possible. On peut rien faire. Putain, mais quand il tire et qu'on tape en même temps, ça marche pas, quoi. Ouh, comment ça m'énerver, lui. Allez, prends ça. Mais non. Ah, mais c'est pas vrai. On voit rien là, super la caméra, bien placée, comme d'habitude. Allez, prends ça. Allez, cette fois c'est bon. Alors là, faut faire gaffe.
QTE. Voilà. Voilà. Allez, prends-toi ça, tu m'as bien saoulé. Éveil d'essence. Voilà, il explose en mille morceaux. Il a vraiment la classe, Kenshiro. Ah, ça y est? Ah bah d'accord, la démo c'était juste un combat contre Jagi. Oh là là, moi je pensais qu'ils allaient nous mettre dans un niveau et puis on affronte plusieurs adversaires quoi. Ah, oh, je suis déçu là. Oh, juste un petit combat contre un boss. Oh là, c'est honteux. Ah, mais je me suis pas fait une grande idée sur le jeu hein, avec un simple combat en duel. Attends, je prendrai qui est un disciple de l'école du Nanto, donc c'est l'école qui est opposée au couteau. C'est un de nos alliés dans le dessin animé. Bon, j'espère que la phase de jeu sera différente. Hein. Donc à mon avis, ça va reprendre la trame scénaristique de l'animé. Hein. Vu que là, il y avait un combat contre Jagi, je pense que c'était un des boss au cours de l'aventure. Hein. Parce que Kenshiro va devoir affronter ses rivaux. En commençant par Jagi, et puis son plus grand rival, Rao. Hein, le roi du Hokuto. Ah, là je me bats contre plusieurs ennemis, ça c'est bien. Vous pouvez bouger votre combattant avec le stick et attaquer en appuyant sur les touches X et Y. Attaque normale, X. Appuyez plusieurs fois pour exécuter un combo. Attaque puissante. Ah bah après on peut faire des combinaisons de touches pour varier les combos. Coup opportun. Les personnages de type Nanto possèdent la capacité d'anticiper les mouvements de leurs ennemis et les attaquent quand ils ne s'y attendent pas. Quand vous avez asséné une attaque puissante repoussant vos ennemis ou quand vous attaquez en même temps que vos ennemis, une touche Y apparaît à l'écran. D'accord. En appuyant sur Y, oh, bon, on s'en fout. Hein. Allez, on va faire à l'instinct. Oh, on est rentré dans un mode bullet time, on dirait. Ah, il est stylé, Ray. Hein. Alors lui, contrairement à Kenshiro, quand il attaque, il ne fait pas exploser le corps des ennemis, mais il les déchique en mille morceaux, quoi. C'est ça la capacité des techniques du Nanto. Donc au niveau de l'histoire, je vous parlais un petit peu de... Ah, on peut monter sur une moto, trop bien, hein. Bon, ah, il y a plusieurs phases de gameplay, c'est bien ça. Défoncer le décor, c'est bien. Oula, ah, je peux pas tomber dans le vide, hein. Il y a des murs invisibles. Points de talent, je sais pas à quoi ça sert les points de talent. Ah, il y a une carte, on va suivre la carte. Ouais, donc au niveau de l'histoire, ben ça raconte l'histoire de de Kenshiro, le successeur de l'école millénaire du Hokuto. Et en fait, au début du dessin animé, en tout cas, il se fait enlever sa bien-aimée Julia par Shin, qui appartient à l'école du Nanto. On apprendra plus tard pourquoi il a fait ça. Et donc il lui laisse la vie sauve parce qu'en fait il y a un combat qui s'engage entre Shin et Ken. Et puis Ken se fait complètement défoncer. Et grâce à Julia, il évite de se faire tuer. Mais bon, c'est pas pratique le gameplay avec la moto quand même. Grâce à Julia, il évite de se faire tuer par Shin. Mais Shin lui inflige des attaques. Enfin, il lui transperce l'abdomen et lui impose 7 cicatrices. 7 cicatrices qui deviendront sa signature hein,
il sera réputé comme l'homme aux 7 cicatrices, Kenshiro. Et à partir de là, bah, il ne rêve que de vengeance. Il se vénère et il va tout faire pour retrouver Julia et corriger Shin une fois pour toutes. Ça, c'est pour le début de l'histoire. Et après, ça va aller de rebondissement en rebondissement. Il va retrouver ses anciens... Ah, mais il y a des pics là, je peux pas passer. Il va retrouver ses anciens rivaux, hein, dont Jagi qu'on a combattu tout à l'heure. Mais également Toki et Rao. Et donc, voilà quoi. Il va se rendre compte petit à petit que la tâche qui lui a été confiée ben, est lourde. Parce qu'il devra. Bon, là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ça commence à me saouler. Comment on recule? Je peux même pas le. Peut-être qu'il faut que je monte là. Ah, c'est excellent, là je vais me retrouver bloqué, magnifique. Donc voilà, il va devoir bah, sauver l'humanité. Parce qu'il y a eu. Parce qu'entre temps, bah, on est dans un monde post-apocalyptique, hein, où tout est détruit, où c'est la loi du plus fort, qui est toujours la meilleure, quoi. Donc les faibles, bah, ils se font massacrer par des voyous. Et donc voilà, il n'y a aucune justice. C'est vraiment celui qui est le plus fort qui survit. Et voilà, Ken, il est dans ce monde où il devra sauver Julia, endosser sa responsabilité de grand héritier du Hokuto, affronter ses rivaux qui lui mettront des bâtons dans les roues, notamment également les disciples de l'école Nanto, hein, qui sont les grands ennemis du Hokuto. Et donc voilà quoi, c'est beaucoup de combats en perspective dans cet animé. Hein. À chaque épisode, on a le droit à des explosions de tête, à des dans 3 secondes tu es mort et voilà quoi. C'est très violent. C'est pour ça que ça a été censuré. Beaucoup de sang. Mais c'est franchement un de mes dessins animés préférés avec Dragon Ball Z, City Hunter ou Saint Seiya quoi. Franchement. Ça reste jusqu'à aujourd'hui un de mes dessins animés préférés. Bon là j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire. Non mais il faut pas foncer contre le mur, il est plein de pics. Par contre je sais pas quoi faire là. Peut-être faut que je monte là, non? Comment on monte là-dessus? Ah bah d'accord, la moto elle est coincée dans le décor. En plus, on peut même pas reculer avec la moto, c'est magnifique. Bon, par contre, le gameplay là, il est vraiment pas précis du tout, hein. C'est très brouillon. Et la caméra est un peu galère aussi, donc franchement. Ah là là! Où est-ce que. Ouais, faut obligé d'aller par là, mais comment faire? Peut-être qu'il faut que j'aille. Non, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est magnifique. Franchement, si ce dessin animé, vous l'avez pas vu, franchement, foncez. Hein. C'est un très très bon animé. Malgré qu'il soit sorti depuis plus de 15 ans maintenant. Hein, ça reste une valeur sûre, au même titre qu'un Dragon Ball Z ou un Saint Seiya. Hein. En tout cas, mais je vous préviens tout de suite. Déjà, c'est de le voir en version originale. Regardez la VF si vous voulez, juste pour vous marrer, quoi, pour les comparer entre eux. Mais si vous voulez vraiment apprécier le dessin animé à sa juste valeur, il faut regarder la VO, hein, ça c'est clair. Mais après, je vous préviens tout de suite, c'est quand même très très violent. Donc, âme sensible, s'abstenir, quoi. Bon, là, le jeu, je le trouve... Bon, c'est fidèle à l'animé, quand même. Hein. Les personnages sont bien modélisés. Les décors sont très... Ouais, ils sont post-apocalyptiques, hein. Un peu vite quand même. Mais ça va. La musique, ça va. C'est pas la musique officielle, hein. Je m'en doutais un petit peu. Mais ça peut aller. Par contre, là, le gameplay, pour l'instant, il est un petit peu brouillon, je trouve. Surtout des petits problèmes de caméra. Après, je pense qu'il va falloir maîtriser les coups du personnage, quoi.
À mon avis, on va débloquer des techniques au fur et à mesure de l'aventure. Donc apparemment, ce que j'ai lu, on pourra diriger plusieurs personnages différents. Il y en a certains qui seront même à télécharger via le Xbox Live ou le PSN, hein. Mais ça ne sera pas gratuit forcément. Après, faut voir, hein. Mais je pense que je me le prendrai. Peut-être pas au prix fort, hein. Pour l'instant, il est à 70€. Ça fait quand même un peu cher pour ce genre de jeu. Mais dès qu'il baisse un petit peu, c'est clair, je me le prendrai. Et dès que j'aurai bien squatté, ben, je vous en ferai un test proprement dit. Bon, là par contre, je crois qu'on va se quitter ici parce que je suis complètement bloqué. Je ne sais pas du tout où il faut aller. Et comme j'ai pas envie d'y passer 3 heures, ça risque d'ailleurs de vous ennuyer. On va s'arrêter là-dessus. Donc, première impression plutôt mitigée. Faudra voir dans le jeu final. Donc, ce qu'il vaut. C'est fidèle à l'animé, un animé que j'adore vraiment beaucoup. Après, faut voir ce que ça donne, si la durée de vie est conséquente. Les attaques ont l'air un petit peu différentes en fonction du personnage qu'on incarne. Heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes techniques. Ah, pas mal, hein, les attaques. J'aime bien Ray. Il est stylé. En général, les personnages dans Hokuto no Ken, ils sont quasiment tous stylés. Hein. Donc là, il y a... Franchement, vous trouverez facilement un personnage préféré. Ils ont tous un charisme qui leur est propre, quoi. Moi, j'aime bien Ken. J'aime bien Rao. Toki aussi. Et Ray, franchement, ils sont tous bien. Donc voilà, bon bah, on va se laisser là-dessus. Est-ce que je le conseille avec, par-delà la démo, pour l'instant, je suis prêt à dire un petit non, parce que franchement, j'ai pas vu grand-chose en tout cas. Bon, pour ceux qui sont fans du dessin animé comme moi. Je pense qu'ils trouveront peut-être leur compte avec la version finale. A voir. Bon bah sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et bah bon jeu à tous. Allez, salut.